vais couper le jeu. Je pense que je vais couper, à mon avis. Pour rester focus sur le match. Tu meurs pour ton match, du coup. Ouais, je vais mettre le chat de côté. Ouais, salut, Rebendo. Allez, je vous laisse. Et puis, je vais rester concentré sur le match. Hop. Allez les gars, c'est parti, ça va être cool, je pense. Je pense que ça va être un super match. Ça va être un super match à mon avis. Il va être cool. Allez, quel engagement? C'est bien, j'ai le ballon. Toujours mieux. Il a deux relances aussi. Ouais. Ça, c'est intéressant pour moi. Avec deux relances, avec un petit peu de malchance, il peut commencer à avoir des problèmes. Ok, ça part sur du classique. Donc on avait dit qu'on ferait ça, ça, même ça. Donc du coup ça va m'obliger à taper avec autre chose. Ma disposition du coup parce que je me force là beaucoup à... J'aime pas du tout. Je me demande si on devrait pas jouer un petit peu plus safe. M'oblige du coup à taper avec tous les... C'est dangereux. Là. Ok, ballon de fond de terrain, très très dangereux ça. Plus la losse que je pourrais avoir des problèmes. Ok. On va jouer safe. On va reculer. Il pourrait m'en mettre dès le début quand même. Allez, c'est maintenant les moments les plus dangereux. Ah bah non, je peux faire ça. Ah tant pis, on va faire ça bizarrement mais... Faire jouer la sécurité. Thank you.
Il ne veut pas. Le gros monsieur a dit non. Il ne veut pas tomber. Ok. Bien joué ce qu'il a fait. Vu qu'il n'y avait rien à faire, autant tenter le croxy, c'est très bien joué. Start était très intéressant. Il était intéressant ce start. Alors mon joueur n'est pas encore tout à fait là, donc il va falloir jouer safe. Je peux pas être super agressif. Là j'aimerais en fait être beaucoup plus agressif. Allez, tais-toi et joue. Ce soir, on l'est tactiquement bizarre. Hein. Tactiquement bizarre, je trouve. Je suis très étendu là, c'est vraiment pas bon. C'est bien, ça va créer du jeu, comme on dit. Là, il pourrait être super agressif ce tour-là, ça serait intéressant. Operate the field.
Sweet dreams are in. C'est intéressant, ça va créer du jeu du coup. J'aurais pas dû faire ça, c'était une mauvaise idée. Parce qu'en fait, ça arrange beaucoup l'homme lézard que je sois très éparpillé en fait. Lui, ça l'arrange à mort. Alors. Dans la merde là. C'était logique, hein. C'est pour ça que j'ai pas du tout aimé mon tour, que j'ai dit que tactiquement c'était bizarre ce que j'ai fait. Parce que effectivement c'était vraiment bizarre. Donc, notre équipe est complètement coupée en deux. Il va falloir du coup lancer des jets de dés. C'est jamais une très bonne idée. On va lancer du jet de dés du coup. On a fait le con, on a mal joué. Alors maintenant, assumer. Chaud, hein. C'est vraiment chaud. Ouais. Le tour d'après va être encore plus dur, je pense. Le tour d'après va être encore plus dur que celui-là. Comme on dit dans le métier, il va pas falloir trembler, hein. Bon, c'est chaud les gars. Il va falloir qu'on se mette dedans et que là ça va nous prendre quelques tours à nous remettre dedans. Donc c'est dangereux là. Là on est sur un danger. On est sur un très grand danger là. Il faut juste que je tienne un ou deux tours et ça sera bon, on se remettra dans la boîte. Là on l'a mal démarré, on l'a très mal joué. On n'a pas été bon. Était bon. Maintenant, bah, il va falloir tenir la foudre. Il faut tenir ce tour.
Il a donc une attaque porteur 2D sur mon porteur. Donc il va falloir... prier. Bon, je pense pas qu'il va être tout de suite agressif sur le porteur. Peut-être pas. Parce qu'il a un sacré avantage là. Donc ce serait peut-être pas bon de tout de suite chercher à le taper. Je pense pas. Je pense qu'il va blitzer sur moi ici. Et venir se coller. Ce serait très fort. Allez, faut tenir. Faut tenir. Oh, putain, j'avoue, je déteste mon start là. Oh là 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 là. Ça. Oh, joli. On utilise l'apothicaire parce que là, on peut pas se permettre. Homme lézard contre orc, on peut absolument pas se permettre. Putain, en plus, il fait un bon start là. Deux armures. Oh putain, tout s'enchaîne. Je joue pas très bien et en plus les armures fonctionnent assez bien de son côté. Allez, on va tenir. Oh, mais c'est pas possible. Oh. Ouh, c'est lourd ça. Hein. Ah, c'est déjà la troisième armure en l'espace de 3 blocs, ça fait un peu mal. Enfin, 3 sur 4. Ça sent pas bon. Oh. Bon, bah il n'y aura pas de beau match. Il n'y aura pas de beau match du coup. Waouh. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. C'est le jeu. Bon. Bah pas de beau match, les gars, dommage. Je pensais qu'on aurait un beau match, du coup, bah c'est un stomp. Ah, dommage. J'espérais un petit match sympa. Bah GG, du coup. Ouais, là, je peux plus référer. C'est fini. Bon. Bah voilà. Bon, bah y'a plus qu'à créer les spoulins. Oh la vache. Bon, voilà, bon bah tant pis, ça arrive. Ça arrive, tant pis les gars. C'est le jeu, bah tant pis, hein, ça arrive des fois. Ça faisait longtemps que je m'étais pas pris un stomp. Bon, on va se battre, hein. Vous me connaissez. On va bien sûr se battre. Allez, on va donc faire ça. Ensuite, on va donc faire... on va faire ça, quoique hein, je suis tellement désespéré là que ouais, je peux pas mettre à portée, c'est mort. On va tenter ça avec. Ah putain les gars. On les pots dans la merde là. On les pots dans la merde là. On est pas du tout dans la merde, hein. Dommage. Bon, on va peut-être essayer d'avancer. Allez, on va essayer d'avancer, les gars. Est-ce qu'on doit aller plus haut? Ça change rien, de toute façon. On va essayer de prendre 2 secondes, parce que là, vu que je vais pas beaucoup jouer dans cette game, autant que je joue tout de suite... Oh bah ok. Allez mon grand. Vas-y. Tu peux le faire. Tu peux le faire mon grand. Tu es un super joueur. Ouais. On l'a mis à KO. Tu vas faire quoi maintenant? Hein? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Il est finito.
Tant pis les gars, faut que je laisse cette opportunité, j'ai pas trop le choix je crois. Ah quoique. Mais là, les skins vont venir me chercher, non? Ils ont du 1D, c'est ça? Est-ce que c'est bon pour vous? Lui il ne peut pas aller me chercher, hein. Mais lui il peut. Comment il ferait? Bah, écoutez les gars, il va falloir qu'on prie la chatte ou pas? Écoutez, je vais tenter un truc. Hein. De toute façon, là, je suis trop désespéré, donc... Attends, attendez. Parce que si je fais ça, après, là, je vois vraiment le 3D. Hein. Bon, tant pis, les gars, on verra. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce début de match? J'ai pris 4 KO d'affilée, quoi. What the fuck? Bon. Je vous reprendrai à la mi-temps si j'arrive pas à récupérer les KO parce qu'on saura que c'est compliqué. Déjà là on risque de se faire contrer et... Oh putain. Au secours quoi. Oh bah là j'ai plus qu'à espérer un double 1 là. Parce que c'est un petit peu la merde. Je vois absolument pas comment ça marche. Là, il a juste à me mettre un comme ça, un autre comme ça, sans même bouger. Il est déjà sûr de que je puisse... Oh, encore ! Il a fait full armure ! What the fuck ? Il m'a fait full armure ! Je crois qu'il m'a laissé qu'un seul bloc où j'ai pas pris d'armure. Et... What the fuck ? Et ta force, ce Reginar là. Il m'a cassé la gueule, là. Allez, faut croiser les doigts, les gars, là. Il faut que le Croxy fasse de la merde, ou je sais pas. Enfin, il faut quelque chose, là. Il faut quelque chose, là, parce que ça va plus, hein. Allez, un petit Croxy qui fait des conneries. Allez, il déplace pas ses joueurs, et il tape avec le Croxy, ce serait parfait. Ah! Ah, c'est pas sérieux, ça. Ça ne se fait pas, ça, monsieur. Allez! Allez, un peu de caca là, pardon, enfin un peu de bordel là. Oh, un dé. Un dé. Oh, intéressant ça. Alors peut-être le joueur français qui veut créer l'espoir. Alors peut-être. Par contre, je trouve qu'il était super agressif alors qu'il aurait dû être beaucoup plus défensif à mon avis. Parce qu'il avait tellement l'avantage. Je pense qu'il pouvait se le permettre à mon avis. Bon bah, vous êtes prêts pour l'exploit? Alors peut-être. Au secours. Bon, et bah que la chance me sourit. Je pense qu'on va blitzer ici et revenir comme ça. Et mon plan sera parfait. Allez, mon plan n'est que parfait. Il ne peut que fonctionner. Tac, tac. Ensuite, je colle Jean-Claude ici. Hop, allez, petite relance. Et on l'esquive et on tente du coup le play. Qui s'appelle... Fuyez, pauvre fou! Allez, fuyez, pauvre fou. De toute façon, là, je peux plus rien faire d'autre. Allez! Fuis! Cours! Cours, mon grand! Si je veux partir à droite ou à gauche, allez, entendre ça. Fuis! Et toi, qu'est-ce qu'on peut faire de toi là?
Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi. Laissez-moi swinguer avec mon style légendaire. Oui, légendaire. Laissez-moi swinguer. Swinguer. Laissez-moi. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour essayer de s'en sortir? On tente ça, hein? Est-ce que c'est bon pour vous? Ah! Sexy. Sexy, 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 les gars. Sexy, sexy, sexy. Allez, allez, allez. Allez, un. J'ai plus de relance. Nanana. Je n'ai plus de relance. Je n'ai plus de relance. Plus de relance. On va essayer de te dire. On va essayer d'aller marquer un but. Ça, c'est rigolo, faut avouer quand même. Dommage que c'est pas arrivé aux skins, ça aurait été très plaisant. Laissez-moi danser. Wow! Mes arbures là! Eh, monsieur l'arbitre, faut qu'il fasse quelque chose là! Ils ont tous caché des châtaignes sur eux, quoi! Ah, mais c'est un scandale, quoi! Monsieur l'arbitre! Bah, monsieur l'arbitre, vous voyez bien qu'ils ont des châtaignes sur... Ils ont tous des châtaignes! C'est honteux ça, le chat, hein! On voit bien qu'ils ont des couteaux sous leur... ils utilisent leur griffe, peut-être. Je le stoppe. Au secours! Au secours, le chat! Oh putain, quel bit pète la gueule. Bon bah écoutez, on se retrouve du coup à devoir faire ça, c'est ça? On va rester à terre et on va taper sur lui. Écoutez les gars, je m'en prends à qui je peux. Hein. On fait les deux au sol. Hein. M'en fous. Hein. Ouais, m'en fous. Ouais, de toute façon, j'ai pas le choix. Ah! Hein, il a intérêt de se méfier. Hein. Il est à moins 1 si je récupère tous mes KO. Hein. Il a intérêt de se méfier maintenant. Oh la boulette! On verra, ça se trouve. Hein. Ça se trouve, je vais peut-être récupérer tous mes KO et on pourra peut-être essayer de jouer en deuxième mi-temps. Va essayer de pas perdre espoir, hein, quand même. Quand même, hein. Oh! Une armure qui est pas passée! Bah c'est bon, c'est la remontada. C'est la remontada. Laissez-moi marquer. Laissez-moi. Yo, man. On l'aurait essayé. On l'aurait essayé. Ça aurait pu être rigolo, d'un certain point de vue. Bon.
Bah bravo à lui les gars. Bravo à lui, il a été violent. Il a été très violent. Il a passé toutes les armures. C'est rare, mais c'est marrant de voir ça. C'est drôle, c'est rigolo. Oui, il n'y a pas besoin de... Sur sa châtaigne est surfait, les gars. Il n'y a pas besoin de châtaigne, oui. Il n'y a pas besoin. On peut très bien se débrouiller sans. Ça marche aussi. Bon, bah, il va falloir chauffer les KO, les gars. Allez, les infirmières, là. Mettre deux petits coachs assistants, là. Il va falloir faire quelque chose, là. Il va falloir motiver mes joueurs. Alors, on est d'accord que je ne peux pas les chercher. Oh, je le tente même pas. C'est tellement absurde. Oh, je pense que c'est un peu trop absurde, je pense, pour le temps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ouais, allez, faut faire chauffer les KO. Allez, allez, les. Allez, alors, je crois qu'il manque un seul joueur. Alors, peut-être, on peut peut-être se défendre. On verra bien. C'est juste que, comme j'ai pris un 0, du coup, ça va être assez complexe parce que je vais devoir. C'est moi qui vais devoir créer le jeu. Mais on se joue. On sait jamais. On sait jamais, les gars. Comme on dit dans le jargon. Alors peut-être. Alors peut-être. Allez, j'ai récupéré quand même mes KO, donc il y a peut-être moyen que. D'ailleurs, mais c'est incroyable. Hein. Ah, mais. On a tous récupéré quoi, c'est assez fou quand même. Ouais, oh la vache. Ils servent de la bonne bière, je peux vous le dire. On a récupéré tous nos KO. Bah écoutez, on va essayer de créer l'exploit maintenant. On va essayer de créer l'exploit. C'est pas mal, hein. Ça aurait pu être pire là, on aurait pu ne récupérer que un ou deux KO, donc c'est pas grave pour le garde, franchement. On va faire avec et on va essayer. Écoutez, un match se joue jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin réglementaire, donc on va essayer. Ouais, bon, c'est vrai que les armures ont été dures, mais honnêtement, j'ai tellement mal joué le premier tour que... Enfin, le deuxième, pardon. J'ai tellement mal joué le deuxième tour que j'aurais dû attendre que mon mec revienne et qu'ensuite on avance comme un mur. Donc honnêtement, c'est pas démérité quoi. Bon, c'est quand même lourd, bien sûr. J'ai pris énormément d'armure, mais c'est pas non plus démérité parce que j'ai très mal joué mon deuxième tour. Il a pas été beau mon deuxième tour. C'était une très mauvaise chose. Parce qu'en fait, je devais profiter de mes gardes pour essayer de l'impacter. Et malheureusement... ouais. Malheureusement, j'ai pas du tout fait comme je voulais. Maintenant, bah il faut qu'on revienne. Il faut qu'on revienne. On fait chier là, par contre, d'avoir perdu. Je tente pour un tour. Donc lui, forcément, il va jouer safe. Normal, il n'a pas besoin de forcer du coup. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'être patient. La 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 la. Ok. Je crois même que je vais peut-être pas blitz. Hein. Ah, quoique, je pourrais le faire au moins avec lui. Ça va pas déséquilibrer mon équipe. Ouais.
Ça devrait aller. Mais comment j'ai pu misclick? Mais c'est fou! Comment j'ai pu misclick? Oh non! Putain, mais c'est fou! J'ai misclick derrière, mais c'est fou! Oh putain, je donne le match! Oh là là, il y avait moyen! Putain! Ah, je donne le match, putain, quel con! J'ai misclick, mais c'est incroyable! Comment j'ai pu muscler? Et en plus, cet enfoiré, il réussit son premier esquive, du coup, il se serait retrouvé complètement à l'ouest, quoi. Mais quel salaud, quoi. Bah écoutez, bah bravo les gars. C'est mon premier vrai misclic dans le jeu, hein. Je crois, attends. Ah non, il y avait aussi la dernière fois, j'avais fait une passe. C'est mon premier misclic dans le jeu. Je sais qu'une fois, j'en avais fait un, mais c'était à cause parce qu'il y avait un joueur qui était transparent et je l'avais pas vu, ouais. Il était invisible. Oh, c'est incroyable ce que je viens de faire. Je fais sans playoff, quoi, je suis un ouf. Oh mon dieu. J'ai misclick, quoi, c'est pas possible. Oh, le misclick. Et putain, puis cet enfoiré qui réussit son esquive, quoi. Parce que ça aurait pu me sauver, en fait, s'il avait pas réussi. Bon, tant pis, j'aurais un joueur qui serait parti, mais. Et d'ailleurs, ça a été quoi les jets de dés derrière? Histoire qu'on se foute bien les boules. Alors. Donc, j'ai fait une esquive. Donc j'aurais fait quoi? J'aurais fait un flash, un machin. Ouais, non, c'est bon. Il serait rien passé. Ouais. J'aurais pas réussi à percer l'armure. J'aurais juste fait une flèche. Mais bon, ça m'aurait évité de sortir, quoi. Bon, bah voilà, les gars. Oh, mon Dieu. C'est fou, ce match. C'est fou. C'est fou, 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 fou. C'est fou. Bon bah écoutez, il va falloir tenter des plays là, hein. Vas-y, on s'en fout, de toute façon on l'a perdu donc. On va tenter des plays les gars, on l'a perdu de toute façon. Donc il n'y a plus rien à perdre maintenant, enfin. Ma dignité, elle est où ma dignité? Allez les gars, on va tenter des plays de folie. Car je n'ai plus le choix. Je n'ai plus le choix. Ah là 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 là, putain quel con là, ce misplay là. Un peu dramatique. Bon, c'était rigolo en tout cas. Alors. J'ai fait un misplay, putain, c'est pas possible ça. Alors peut-être. Le joueur français du coup, qui doit faire des 200 IQ parce que il a un petit peu de mal avec les. Le joueur français qui t'a tout tenté. Je suis un elfe. Alors peut-être. Eh oui, le joueur français. Qui tente tout. Parce que tout là du coup. Le joueur français. Le joueur français. Eh frérot, je suis obligé là. Ah ouais, parce que là on a fait trop de misclick dans ce match, on doit tout tenter là. C'est la mort au chichi.
C'est la mort ou Kichi. Voilà, bien joué. Ah, c'est pour ça que je suis un peu dégoûté d'avoir fait mon misplay, parce que je pense qu'on l'aurait pu comeback. Ah, dommage. On doit faire de la magie. Nous sommes plus des orques, nous sommes des elfes. Nous sommes des elfes avec des 4 de force. Allez, il faut lui faire peur. Il faut qu'il tremble. Il faut qu'il tremble. Ça va pas être trop compliqué quand même, mais bon. Il faut qu'il ait peur. Il faut qu'il doute. Alors je suis à moins 2. Une esquive quoi, et en plus il se fout KO quoi. Non mais franchement, on va le fouetter. C'était lequel, les gars? C'était lequel? C'était lui. On va le fouetter. Il sera fouetté. Ça tente des go for it. C'était greedy ça. C'était greedy alors qu'il avait pas besoin. Bah dis donc. Eh bah dis donc. Il a eu chaud là. Hein. Il a eu chaud. Tout tout tout. Ah, c'est dommage quand même. Qu'on a pas su quoi faire. Enfin qu'on a fait le misclick là, fais chier. Il est trop condamné, lui, à mon avis. Ah. La magie, là, à un moment. Ouais, la magie, à un moment. Bon, faut, on va l'embêter quand même, hein, mais bon. Je pense qu'on va tenter ça. Tente l'autre. Ça, et ensuite on est agressif. On est dégressif. C'est vraiment désespéré là. Au secours! Ouais, bon, je fais des trucs, mais c'est vraiment histoire de dire que je fais des trucs. Hein. Ouais bah écoutez, YOLO hein, YOLO. Putain j'avoue je clique bizarre là depuis tout à l'heure, je le sens. Je clique bizarrement. On se fout dans la mêlée pour voir. Allez. On essaie de profiter de notre race. Bon bah là je suis en mode, je croise les doigts les gars, je suis en mode vraiment, j'essaie de
d'espérer bah, qu'il rate le truc sur la châtaigne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais. Je suis vraiment en mode, bah écoutez, on provoque des jets de dés, on verra bien. On est en totale prière là. Hein. En total, 9 hulls, s'il te plaît. Là, on est en plein dedans, là. On est en plein dedans, parce que c'est trop la merde. Même ce move n'était pas bon, je pense que j'aurais pas dû suivre. On a essayé, ça n'a pas marché. Oh non, il n'y a plus qu'à espérer que son ramassage rate. C'est dommage ça, quand on l'a pas eu avant ça, ça aurait été cool. Ça aurait mis de la pression. Petite erreur là aussi, là, de ma part. Bon, c'est pas très grave, mais tant pis. De toute façon, c'était un peu perdu, mais bon. On aurait pu éviter ça, je pense. Bon, bah. Prions pour qu'il ne rate pas son. Qu'il rate son ramassage. Il le relance, il a eu peur, hein. Il a eu peur. Plus de relance, hein. On sait jamais. Et oui, c'est clair. Il m'en reste deux, moi, pour faire plein de merveilles avec. On va pouvoir faire plein de choses incroyables avec mes relances. La 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 la. La 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 la. Bon, eux c'est acté. Allez, cette fois-ci on les fait de faire attention de pas faire des misclics, bordel de zut quoi. Bon, lui je crois qu'on peut pas non plus le déblayer. On va bien sûr faire ceci. On est tous d'accord. Peut-on faire d'autres choses entre temps? Par exemple, on pourrait récupérer lui. Alors, je pense que ce sera que à la fin si on a réussi notre action. Lui on pourrait le rapprocher, ce sera intéressant. Si se manger une diagonale, donc on va peut-être rester comme ça, peut-être. Ouais. Bah, écoutez, est-ce qu'on ferait... Ouais, le problème, c'est que si je fais pas ça, je suis mort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je suis mort à 200% si je fais pas ça. Ouais, j'ai pas le choix. Bon, il a tellement de ressources partout, franchement. Allez, je suis un elfe, j'ai oublié. Je suis un elfe! Tu es un elfe! Et c'est reparti! Est-ce que vous voulez encore? Ah merde, j'aurais pu le libérer avant. Noob. Noob! Le monsieur, il est noob! Il est noob! Le monsieur, il est noob. Waouh. Quelle force incroyable de la nature.
Il est beau et fort et grand. Il faut le dire. Il faut le dire les choses. Il est magnifique dans son environnement naturel. Il est magnifique. Ah, pourquoi j'ai fait le con avec mon misclic? Putain, je savais qu'on pourrait come back. Et du coup, je suis dans la merde. Ils sont partout, regardez, ils sont partout, ça arrive de partout, là. J'ai l'impression, vous savez, d'être... J'ai l'impression d'être Ridley Scott, là. Et j'ai l'impression d'être Ridley et qu'il y a des aliens partout, là. Mais oui, c'est des aliens, ils ont des têtes d'aliens, en plus. Mais j'ai l'impression que c'est aliens et qu'ils sont partout, quoi. Quel enfer. Ils sont sur le plafond! Ouais, c'est ça là. C'est ça. Oh! Oh, peut-être! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais oui, c'est clair! Oh putain! Putain, cours! Cours, mon grand! Cours aussi vite que tu peux. Parce que leur vision est basée sur le mouvement, en fait. Cours, mon grand! Cours, 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 cours! Ils sont tellement nombreux! Putain, mais comment je vais gérer ça, les gars? Mais c'est un cauchemar. Il y en a vraiment de partout, hein. En fait, quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a... Raciste! Allez, les gars, faut courir! Courez, pauvre fou! Putain, heureusement, j'ai pas bu à ce moment-là, hein. J'ai failli m'étouffer, là. Hein. J'ai failli m'étouffer, les gars. Heureusement, j'étais pas en train de picoler. C'est ça! Bon Dieu! Bon. Et maintenant? Et maintenant, on fait quoi? C'est bien rigolo ton histoire de alors peut-être, mais... alors peut-être quoi? Hein? Est-ce qu'on serait pas peut-être bien comme ça, dites-moi les amis? Je pense qu'on serait peut-être bien comme ça, hein? Personne se touche, tout le monde se regarde et c'est parfait, je pense. Pas en train de boire, hein. J'aurais craché, vraiment, j'aurais craché tout ma flotte sur mon écran. Ah, c'est, franchement, c'est quand même une belle performance quand même là. J'étais quand même à 9 contre 11, les gars. 9 contre 11, c'était une belle performance. Après la belle esquive de mon joueur qui était assez charmant, faut l'avouer. Je vais venir me chercher avec toutes ces petites merdes là. Let's go! Waouh! Je suis obligé d'aller marquer par contre. Je suis obligé d'aller marquer malheureusement. Le problème c'est qu'il lui reste 2 tours mais il a pas de relance donc. Je suis obligé d'aller marquer les gars malheureusement. Ouh! Ouais, je pense qu'on va pas grid là sur ce bloc. Ça serait de la gridance. C'est vrai qu'il y a un monde où on fait des trucs de fou, mais non, c'est pas possible.
Franchement, on a déjà fait un comeback tellement fort. Maintenant, on va laisser Nuffle se charger du reste. Nuffle, sois gentil, s'il te plaît. Parce que tu m'as un petit peu cassé la gueule en première mi-temps. Donc, s'il te plaît, sois gentil. Nuffle. Tu m'as bien cassé la gueule, tu m'as bien pris le respect. Oh, les KO qui reviennent pas. Putain. Ah, il m'en fallait juste un seul. Fais chier. Un seul, les amis. Un seul. Ah, la chiotte. Un seul. Je suis désolé, frérot. Oh! Pourquoi tu mets sur le côté? Tu m'aimes pas? Je suis désolé, frérot, mais là, on a des problèmes, quoi. On va réfléchir deux secondes. Ah, ça va pas. Hein. Ça va pas du tout. Hein. On va pouvoir me couiller très facilement comme ça. Ouais, c'est un peu de l'art quand même. C'est un peu de l'art, ouais. Tellement facile. C'est facile comme ça. Hein. Bon. Prions. 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 Pour un ballon au fond de terrain. Prions. Prions. Pour un ballon au fond de terrain. Nuffle, eh oh, Nuffle, hein, tu m'as cassé la gueule, hein. Rappelle-toi. Hein. Allez. Oui, oui, oui. Oh oui, c'est pas mal. Oh non, 1, 2, 3, pile poil. Ah, pile poil. Let's go, les gars. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il faut tenir. Il faut tenir la baraque, les gars. Il faut tenir la baraque. En plus, j'ai gagné une petite relance, donc là si on arrive à tenir, franchement on peut passer une bonne, peut-être une bonne prolongation, il faut à tout prix. Oh putain, j'ai cru qu'il avait tapé avec le Kroski. Le Kroski est trop fort là pour... Il est beaucoup trop fort. Allez, on doit prier pour un double 1. On doit prier pour tout. On doit prier pour tout. Oh non, non, les gars. Oh non, les là, les gars. On doit prier pour tout. Faut que les KO reviennent. Si on arrive à avoir la prolongation, il faut que la KO revienne, les gars. On a besoin d'eux. Juste un seul. Proxy Girl. Proxy Girls. Il va le tenter, on dirait. J'ai l'impression qu'il va tenter la transmission, non?
Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si elle est possible tout de suite, non? C'est chaud, il y a un go for it quand même. Je sais pas les gars, là je sais pas. Je sais pas s'il compte le faire ou pas. Je pense pas qu'il devrait. En même temps, ouais. Après ça va, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense aussi qu'il devrait plutôt. Ah, il faut rater les gars, il faut qu'il rate ce ramassage. Sinon, ça va être assez dur. Allez, faut le rater. Faut le rater, les gars. Allez, rate-le, please. Let's go! Bah, désolé frérot, mais toi on va devoir te sacrifier. Je suis désolé, mais elle a pas le choix. Pas beaucoup de choix là. Il peut encore le faire, hein. C'est pas horrible. Hein. C'est pas non plus horrible. C'est pas horrible. Faut à tout prix que j'arrive à revenir sur l'autre là. Bon, on va déjà essayer de fouetter monsieur là quand même. On va lui apprendre le respect. Tacleur. 5. Et après on reviendrait dessus. Oh, le danger c'est lui, hein. Je pense pas que ce soit lui. Sauf s'il est encore vivant. Oh, lui j'y crois pas de toute façon. Franchement c'est pas par lui que ça va venir. C'est par lui. Hein. Je pense que j'ai même pas utilisé de relance parce que tous les jours il va le faire, il va jouer sur lui. Hein. Je vois pas pourquoi il jouerait sur lui quoi. Ce serait absurde. Ce serait strictement absurde. Ça fait chier quand même. Ça me fait chier, putain, j'ai beaucoup de choses à faire là. Ah putain. Ah c'est quand même dangereux. Hein. Encore, putain, mais c'est pas possible ça. Je pense que ça, qu'il va le faire, il va faire la passe sur lui. Enfin, passe ou transmission. Ah, ça fait beaucoup. S'il fait une passe ici et après il fait un transfert. Allez, gars, ça devrait bien se passer, je pense. Mais il pourrait aussi me la mettre bien méchant. Ah, blessé. Blessé. Allez, c'est pas grave, faut juste que je récupère les deux KO et on pourra faire quelque chose. Allez. Va-t-il réussir un super but? Va-t-il réussir un super but? Oh putain. Ok, allez, les KO. Blood Bowl! This is Blood Bowl! Et oui, c'est Blood Bowl. Allez, ça serait bien de faire des petites blessures. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, les gars, là? Petite blessure par-ci, petite blessure par-là. D'accord. Est-ce que c'était bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Une petite blessure par-ci, petite blessure par-là.
Il a encore son appo en plus. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien découvrir la joie de briser une armure. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Oh! Ah, j'en ai récupéré un. Ah merde, je suis quand même à moins un malheureusement. J'espère qu'on va avoir le ballon. Ça va compliquer la game. J'en ai récupéré un, j'ai vu. Et qui a le ballon? Qui a le ballon? Oh putain, décidément. Ah, le match est pour lui. Hein. Le match est pour lui, malheureusement. Match est pour lui. C'était marrant en tout cas, ça va, c'était cool. Le fait d'avoir quand même pu égaliser, c'était drôle. Maintenant, il n'y a plus qu'un. Maintenant, c'est que du bonheur, comme on dit. Et une belle chandelle. Allez les gars, un de moins, tout à l'heure on a réussi à le faire avec deux de moins, donc là c'est bon, c'est sûr à 100% qu'on va pouvoir marquer. À deux de moins on l'a réussi, donc je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire avec juste un seul. Il n'y a aucune raison. C'est quand même marrant. Hein. C'est pas grave les gars, franchement, même si on perd, franchement, ça aurait été un super comeback. Oh, j'ai perdu ma relance. Ah, oh, putain, j'arrive jamais à me faire à cette idée-là. Putain, c'est pas un peu abusé, non, les gars, quand même? Ah, je sais pas. Vous trouvez ça normal ou pas? Parce que du coup, en fait, ouais, c'est vrai que la relance, elle est que pour le drive, et du coup, ça n'a pas compté pour la prolongation, ouais. Ah, je savais pas. Ah, je savais pas. Merde. J'aurais relancé, sinon. J'aurais tenté un... Une relance sur un skins. Ouais, du coup, bah c'est ça. Du coup, là, pour long, compte comme un autre drive, ouais, effectivement. C'est logique, mais c'est vrai que ça fait bizarre. Parce que, enfin... Parce qu'en même temps, on conserve nos relances de base. Du coup, je sais pas, est-ce que... Vous voyez ? Le Croxy qui va blitzer. Mais qu'il ne réussit pas. Bon, ça va quand même être dur, hein, parce que cette fois-ci, il va être un peu mis en place. Il va être un petit peu mis en place. Je crois qu'on va y aller doucement pour commencer, puis après on va taper un peu plus fort. J'ai d'ailleurs ce KO là qui ne revient pas. Oui, normalement, c'est ça qu'il faudrait faire, non? Allez, bref. Allez, est-ce qu'on va avoir notre première armure sur les Saurus ou pas? Alors, peut-être. Ouais! Notre première armure, les gars, ça fait toujours quelque chose, quand même. Ça fait plaisir. Notre première armure. Bravo, les gars. Ils sont trop forts.
Dommage. Allez. Saloperie! Saloperie de monstre! C'est pas pareil là, je sens que c'est pas pareil, ouais. Je sens que là qu'il est un peu plus reposé là, il est un petit peu plus il est un petit peu plus à tête reposée là. Tout à l'heure il m'avait laissé l'opportunité d'attaquer son porteur. Mais cette fois-ci on sent qu'il est un peu plus serein que tout à l'heure. Même s'il a zéro relance. Mais je pense qu'il est un petit peu plus serein. Chaud là, hein. C'est tendu, hein. C'est ultra tendu là la situation. Fait chier ça, parce que du coup il va le taper et après il va revenir. J'ai presque envie de faire ça quoi. Mais le problème c'est que je déséquilibre trop mon équipe en faisant ça. En fait j'ai plus assez de joueurs pour faire ce genre de choses. Du coup je dois à tout prix essayer d'être beaucoup plus équilibré. Est-ce qu'on va taper la deuxième armure? Alors peut-être. Oh, ça y est! Ça y est, mes joueurs se réveillent! Mes joueurs se réveillent. Putain, c'est tendu, hein! Je suis pas convaincu par ce que je dois faire là. En fait, j'ai aussi un centre assez faible ici. On pourrait s'engouffrer avec de la chance. Putain, ça me paraît tendu, les gars. Bam, vous voyez. Bam. Et après. C'est une connerie, on verra bien. Oh, il a tellement de potentiel pour y aller là. Je suis pas rassuré là. Je vous avoue, je suis pas rassuré, il peut porter une attaque à mon avis. Je suis pas super rassuré. On
essaie d'être un petit peu agressif, mais en fait son Croxy, j'aimerais bien qu'il fasse un petit 1 ce tour-là, mais son Croxy il est assez imposant et à chaque fois il arrive à me prendre deux joueurs. Et... il arrive à me prendre plusieurs joueurs, du coup c'est assez chiant. C'est vraiment pas évident de le gérer là. C'est chaud, c'est chaud. Oh, merci. Sinon il l'aurait mis en haut, je pense. Est-ce qu'il l'aurait mis en haut, sinon. Alors, beaucoup de ressources là. Il y a beaucoup de ressources. Il va falloir vraiment ne pas négliger. Putain. Fuck. Ah, j'ai un centre super faible du coup là. Est-ce qu'on changerait peut-être pas d'idée du coup? Faut gérer ça. Faut gérer ça, je pense. Oh putain, j'aurais fait une sortie. Ouais. Enfin, j'aurais fait une armure, pardon. Pas forcément une sortie. Ça va être tendu quand même là. Il va percer fort. Hein. Qui perce très fort là. Ça a son avantage parce que bah il sait qu'après derrière il y a un tour, deux tours, donc ça veut dire que j'aurai, il me restera que trois tours pour les marquer, donc il sait que ça va être compliqué pour moi quoi. Allez là, un petit 1 là, un petit. On l'espère. On n'a plus qu'à espérer ça quoi.
Et le proxy, il va pas faire des 1 tout le temps, hein, malheureusement. On l'avait dit, on avait un centre très faible. Ah putain, fait chier. Ça sent pas bon les gars, ça sent le GG je pense. Oh quoique, non non il se bloque pas. Ah ça sent pas bon. On l'avait vu, hein. Le fait de pas l'avoir fait tomber, ça nous tuait malheureusement. Aïe 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 aïe. Ah, c'est moi là maintenant qui en perte de confiance. Tout à l'heure j'étais très confiant malgré mes clics et tout. Mais là ouais non, pff, il va me balader, j'arrive pas à le retenir. Depuis tout à l'heure il me fait des droits de gauche et à bout d'un moment je vais forcément faire l'erreur quoi. En fait son croxy est trop fort là. Oh il le prend pas. Oh yes. Oh l'armure. Qu'est-ce qu'il m'a mis dans la tronche quand même. Ah ça va, peut-être il aurait pu faire un play en fait un peu plus agressif. Et mettre le croxy ici, ça m'aurait vraiment fait mal. Ça m'aurait fait très mal. Allez, faut tenir les gars. Il faut tenir, et je sais pas comment tenir là par contre, honnêtement. On se fait balader honnêtement. Là on se fait balader. Ah, la tacleur ou la châtaigne, ça c'est toujours la question. Un 10 000 dollars. Je vais sacrifier mon tacleur, mais après derrière. Ouais, c'est fini. Chaud là. C'est chaud les gars. C'est chaud pour moi. Eh, petite armure, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Est-ce que les plaisirs sont partagés? Je ne pense pas. Oh là, il a trop de ressources là. Il va me donc, taper ici, blitzer là comme ça, et se mettre à portée easy tranquille. Soit on fait ça, mais si on fait ça, on condamne du coup après l'autre côté. Donc il va repartir de l'autre côté, et cette fois-ci, je n'ai plus de ressources pour l'arrêter. Putain, les baisers quoi qu'il arrive, je pense. J'ai le choix. Parce que là, il a beaucoup trop de ressources. Hein. C'est plus d'ouverture, là, c'est carrément un comité d'entrée là. On va faire double rideau. Oh putain. Séparez-les! Je vois des problèmes partout. Ah! Putain, ça me saoule, je suis baisé, ouais. Je suis baisé. Ah, putain! Ah, tant pis, les gars. Allez, on fait le move qui est pas bon, je pense, mais j'ai pas le choix, j'ai perdu de toute façon. Hein. Il va aller à droite ou à gauche, c'est pareil, il finira par me la mettre. On va juste prier. Should probably.
Oh bah ça, de toute façon même par le centre ça va passer, ouais. Merde, j'avoue, putain, j'ai donné un push-push, ouais. Ah, faut faire gaffe, je me suis un peu déconcentré là, trop me plaindre. Ah, c'est mort, ouais. Ah, c'est bon, il va pouvoir cager du coup au centre, Pepper. Putain, j'ai pas fait gaffe du coup. J'aurais dû assurer beaucoup plus le centre. Ah, chier. Ouais, c'est fini. Bah bravo les gars, bah ouais, belle game. Belle game de sa part. C'est fini, ouais. Ah, dommage, hein. Bon, on va quand même essayer de tenter les trucs, mais là, je pense que... Là, on les comp... En fait, il a retourné ma défense en faisant ça. C'est fini. Mais je souffrais trop, de toute façon. Je souffrais trop depuis tout à l'heure. Il arrêtait pas de me balader. Je pouvais pas suivre, en fait. Il a trop de mouvements en rapport à moi. Et de toute façon, j'étais quand même out, hein. Si je restais au centre, bah, il serait parti à gauche. Si j'avais protégé le centre, il serait parti à droite. Enfin bref, quoi qu'il arrive, j'étais finito, ouais. Je pouvais plus, ouais. Je pouvais plus suivre, en fait, son mouvement. J'arrivais plus à suivre, il a trop de mouvements, ouais. Bon, bah, c'était une belle game, hein, franchement. Super game, les gars. C'était vraiment génial. Bon, j'avoue que là, j'ai peut-être laissé un petit peu trop percer, quand même. Donc, le dernier move m'a un petit peu tué. Bon, c'est pas grave, les gars, franchement. Je trouve qu'on a été bon malgré tout. Non, pas le deuxième tour. Le deuxième tour, on a été mauvais. Mais ça va, on a fait une très belle game. Bon, là, ouais, de toute façon, je pense vraiment que j'étais outplay. Là. Je pouvais rien faire, à mon avis. J'étais, comme on dit dans le métier, finito. Bah bravo à lui, les gars. Belle victoire. Belle victoire. J'ai pas été brillant. Puis en même temps, j'ai eu beaucoup de problèmes sur les armures. Comme vous avez pu le comprendre. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus de solution. Il reste que le 2D contre en mode la chatte. Mais bon, pas toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'avais envie de l'esquiver pour le faire revenir au centre. Peut-être du... Bon bah ouais, en mode la chatte, on va essayer ça. J'ai plus grand chose à faire d'autre, je pense. Mais si lui, je peux faire revenir, mais je peux faire quoi avec lui? Rien de spécial. Oh, rien d'intéressant qu'il l'arrête. On va du coup taper un bloc et un dé. On va faire quoi après? Revenir comme ça. Ah, c'est peut-être mathématiquement un petit peu plus simple, non? Ça. Ça fait quand même beaucoup de choses, hein. Ouais, puis ça fait... Bon, écoutez, on va faire le dernier truc, je pense, et puis on verra, quoi. J'ai pas beaucoup de temps. Ça. Hop. Dégage. Oh ouais, vas-y mon grand, relance mon grand. Bon bah dommage les gars. Bah allez, je vais vous reprendre, c'est fini. Bravo à lui. Bah à moins qu'il fasse un double 1, mais je vois pas trop. Ah, quoi que. Oh, attendez, je vais peut-être pas vous reprendre ce soir, si jamais. Un petit double 1, ça peut arriver. Ça peut arriver, hein. Tout à l'heure c'est comme ça que qui se prend le but. Ah, le match, il était marrant. Il était drôle quand même. Enfin, le comeback était vraiment très marrant, je trouvais. C'est assez drôle. Ça a donné un comeback assez rigolo. Bon, je vais vous reprendre. Je pense quand même que... Je vois pas comment il perd là. J'ai vraiment plus aucune ressource pour essayer de le challenger, donc je vais vous reprendre. Allez les gars, je vais vous reprendre. Où êtes-vous?
Hello chat, coucou. Coucou les chats, je vous reprends. Alors qu'est-ce que vous avez pensé du match les gars, c'était fou hein. Quel match incroyable. On a fait un comeback quand même qui était super impressionnant. Un comeback sorti des enfers. Malheureusement ouais, comme vous avez pu voir, la première mi-temps m'a tué malheureusement. Ouais c'était fou hein. Dommage que la première mi-temps m'a tué, ouais j'ai perdu tellement de joueurs. Ah ouais, on a pu y croire. Puis là, on voyait bien que, je sais pas, psychologiquement, il était beaucoup mieux là sur la prolongation. Parce que je sais pas, j'ai senti que sur la deuxième mi-temps, il était, je sais pas, il était pas très frais. Je le sentais pas forcément très bien. Mais là, en prolongation, j'ai senti super solide et on a bien vu la différence. Il jouait très très bien avec son équipe à faire des droits de gauche et que je pouvais pas gérer malheureusement. J'avais du mal à suivre. Ouais. Après, il a mal joué son tour en deuxième mi-temps. Ouais. Bah comme moi. Hein. Bah comme moi. Hein. Comme moi avec mon deuxième tour en première mi-temps. Sauf que moi ça a été fou. Ah oui ouais le misclic là. Oh là là le petit misclic ouais. Putain j'avoue. Ah le petit misclic il était assez incroyable. Bon on va bien sûr tenter une action de folie, on sait jamais. Hein. Voilà, ça va les gars. Ce n'est qu'un. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Ah il y a aussi lui qui peut y aller. Alors lui c'est quoi? C'est un 5 plus. ce n'est que un 5 plus. Attendez, bon, on va faire cette dernière action et puis voilà quoi. Allez, prions. Dommage. Ouais, super match les gars. Ouais, le misclic était magnifique, il était marrant. Ouais. Il était marrant le misclic. Oh le misclic quoi que j'ai fait. C'était assez incroyable. Ouais, ouais c'est vrai que j'ai pas non plus touché grand chose. Hein. On va regarder aussi. Oui, non, mais j'ai compris, Romindo. Ouais. J'ai pu voir aussi que. Ouais, bah, au niveau armure sur en général, il m'a mais défoncé, hein, j'avais jamais vu ça. Il m'a fait plein de sorties d'affilée, c'était assez incroyable. Je sais pas ce que vous en avez pensé quand tous les KO se sont enchaînés. Il m'a fait full KO en un tour. Je crois que je suis passé à moins 4 en un tour. Hein. C'était assez incroyable. Moins 4 en un tour, les gars, c'était assez beau quand même. Ouais, c'était bon. Et puis pas que des armures, hein, c'est vraiment des KO, quoi. Donc, du coup, ça fout un peu... Ouais. Bon, pff, tant pis, les gars, hein, ça arrive. Hein. Enfin, personnellement, moi, ça m'arrive pratiquement jamais. C'est pour ça que je vous parle jamais de chance. Parce qu'honnêtement, voilà, quoi. Mais là, j'avoue que là, j'ai un peu déchaté, malheureusement, dans ce match, ouais. J'ai un petit peu déchaté, malheureusement. Bon, bah, c'est le jeu, les gars. Après, on a quand même pu s'amuser en deuxième mi-temps. On a quand même pu s'amuser quand même en deuxième mi-temps malgré tout. Malgré la malchance assez apparente. Après voilà, il y a aussi un autre truc, c'est que c'est vrai que j'ai mal joué aussi mon deuxième tour. Ça a beaucoup conditionné malheureusement. Ça a beaucoup conditionné parce que ça m'a forcé à faire des jets de dés. Et puis bah derrière, il a pu du coup... my bad. En plus je le savais. Hein. Oh. Je le savais, je l'avais vu, mais malheureusement je l'ai quand même fait. Donc forcément, ben voilà quoi. Allez les gars, on va mettre un peu de folie dans cette deuxième mi-temps. Un peu de crazy pour augmenter le taux de crazy dans cette game. Alors peut-être! Non, je rigole. Oh, c'est mort. Hein. C'est mort parce qu'en fait, il va me blitzer un puis il va me coller full sur l'autre. Donc, n'espérez que dalle. Là, il n'y aura que dalle. Hein. Il n'y aura clairement que dalle. Mais c'est rigolo. C'est assez rigolo. Donc on va faire ça. Hey! Allez, peut-être la première armure. Bon, on va juste le coller. Hein. Bon, ça sert à rien, c'est bon. Allez les gars, alors peut-être. On va faire des 6+, 6+, vous allez voir. Je sais même pas si je peux lancer le ballon d'ailleurs. C'est tellement loin, je suis même pas sûr. Bon allez, on se fait ce dernier bloc. C'est rien, non? Voilà, c'est rien. C'est comme ça qu'on les veut. Hop. Alors, mais dis quoi d'autre, les gars? T'as chopé... Ouais, ma blessure des 10 plus de première mi-temps, ouais. Ouais. Après, tour 2, tu étais séparé, du coup, il a eu pas mal de dés. Oui, exactement. Je suis très bien conscient. Mon tour 2, il était très très mauvais. Hein. Et c'est une fois que je commence à faire mon truc, je me dis non mais là c'était une mauvaise idée quoi, clairement.
Parce que je sépare mon équipe et c'est absolument pas ce qu'il fallait faire en fait. Il faut les jouer sur les gardes et faire un rouleau compresseur, vous voyez. Donc du coup, c'est un peu spécial. Du coup, je peux pas non plus trop accuser les GD. Bon, même si c'était fou hein, quand même, les gars. Il faut avouer que c'était fou. Mais en même temps, bah voilà, comme vous avez dit, j'ai laissé des GD. Donc forcément, bah, ça laisse une possibilité à l'adversaire, quoi. Forcément. Forcément. Bon bah ça va être beau là. L'action va être belle là. Sur son tour 2, j'ai mis une prédic pour voir si t'allais te faire contrer. Ouais, bah j'ai fini, effectivement, j'ai fini par me faire contrer. Non mais t'avais raison. Moi aussi j'étais vraiment... j'étais pas content de mon tour 2. Il était très très mauvais mon tour 2. Surtout en début de match avec le mec au fond du terrain, c'était très mauvais ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas pire les gars. Ça arrive, hein, ça arrive de mal jouer des fois, ça arrive. C'est le jeu, tant pis les gars. Allez, on va essayer quand même de tenter une action. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? À part faire une bombe, j'aimerais éviter de faire une bombe. Je crois que j'ai pas d'autre choix. Hein. Ouais, ça va être bombe plus... Donc il nous faut un 6+, et après, ben... Et après YOLO quoi. Bon bah ça va, si je dis 2-6+, c'est ça? Ouais, 2-6+. Aïe, animosité! Alors sinon, est-ce qu'on peut pas aussi transférer? Ah, j'aurais peut-être dû faire un gofferé, j'aurais pu transférer. Mais bon. Ah, ils ont pas de CP, donc j'ai bien fait. Ça sert à rien. Bon, ça sert à rien, je pense. Il faut juste le tenter, puis on verra bien. Bon bah, go les gars. Il faut des 6 partout là. Dommage. Puis les arts avec bloc sur les souris, ça devient très stable quand une équipe plus la speed. C'est dur de suivre les orcs. Oui, c'est ça en fait. En fait, on avait chacun nos avantages. C'est pour ça que ce match-up, je l'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'il est très équilibré. Parce qu'il y a vraiment, tu vois, une proximité assez proche. Par exemple, les orcs sont un peu plus solides. Un peu plus solides avec plus, donc plus de physique. Mais les hommes lézards ont quand même plus de vitesse et qui jouent, du coup, qui peuvent jouer. Mais un petit peu moins de physique, tu vois. Un petit peu moins. Mais malheureusement, ouais, c'est... Ouais. Bon, allez, on va bien sûr regarder les... Une proximité assez proche. On va regarder, du coup, ouais. Voilà, alors, honnêtement, vous voyez là, on le voit pas. Parce qu'après, ça s'est calmé. Mais c'est vraiment le début, hein. Le début il m'a fait full armure et du coup j'ai vraiment pris trop cher malheureusement. Après la deuxième mi-temps était drôle, on s'est bien amusé. Puis ensuite bah malheureusement c'est comme d'hab. Hein. Comment ça va? Ça va les gars, ça va, et toi comment ça va? Ça va, là on vient de perdre un match malheureusement, on a rien pu faire dans ce match. Bon si, enfin, on aura peut-être un petit peu mieux joué la deuxième mais c'est pas grave, tant pis. Vous voyez là-dessus la différence, regardez, hein. ça fait la différence, les gars. Il n'a pas eu besoin de foncer, moi j'ai eu énormément besoin de foncer, ouais. Bon bah c'est pas mal, les gars, c'était un beau match, franchement. Il était cool quand même. Malgré mon misclick légendaire, malgré mon deuxième tour un peu dégueulasse, qui m'a du coup forcé à faire des mauvais GD. C'est vraiment étrange, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi? What the fuck? Vous savez qu'en plus, c'est vraiment bizarre ce que j'ai fait quand même, hein. Très étrange, quoi. Ah! Non, t'inquiète pas, Kev. En général, les matchs se passent très bien. Ouais, le match était beau. Hein. Franchement, faut le dire. Le match était beau, les gars. Le match était beau, franchement. Malgré, oui, le truc un peu particulier.
Après, les gars, on craignait quand même ce match parce que j'avais vu des comment ça s'appelle, des replays de Ray Lennart, ouais. Et on savait que qu'il serait bon, hein, malheureusement. Bon match, je pense que j'ai eu beaucoup de réussite sur le match, sur les KO. Oui, bon, t'inquiète, c'est le jeu. Bon, j'avoue que c'était assez fou. C'était assez fou. C'était assez fou en première mi-temps. Hein. Tous les KO qui sont. Bah écoute, hein, qu'est-ce que je fasse, hein. C'est le jeu, tant pis. Hein. C'est comme ça. C'est assez fou. Ah oui, alors c'est sûr que c'est dommage que ça arrive en match de playoff. Mais bon, franchement, personnellement, moi, je me plains pas parce que, en général, comme je dis à chaque fois, j'essaie de bien faire comprendre aux gens que c'est surtout le skill qui fait la différence sur un match. Tu vois? C'est pour ça d'ailleurs que je parle d'histoire de pourcentage à chaque fois là, avec les win rates. Parce que c'est vraiment les skills qui font la différence. Et voilà. Et là, franchement, ce genre de match, en général, ils sont très, 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 très rares. Mais malgré ça, on a quand même pu jouer au skill en deuxième mi-temps et. Bah, bien sûr, il y a quand même une petite part de chance parce que, bon, comme tu dis, j'arrive quand même à faire des 3+ intéressants, quoi. Mais. Ouais, non, mais je savais, les gars. Je savais que Riggener serait bon. Comme j'avais dit, on avait vu un replay et du coup, je suis absolument pas étonné. Et c'est pour ça d'ailleurs que je craignais un peu le match parce que je l'avais vu qu'il était bon. Il faisait des très bons placements et d'ailleurs, on l'a vu dans son tour 2. Hein. Il a tout de suite exploité l'erreur que je fais en première mi-temps. Et oui, il a très bien joué le coup. Et après, bon, malheureusement, il y a eu la chaîne des KO assez incroyable. Mais bon, c'est le jeu, ça, c'est pas grave, tant pis. Mais beau match, ouais. Beau match, Riner, quand même. Quoi qu'il arrive, je pense que ça a été un beau match. Je pense. D'ailleurs, j'ai fait quelques tours pas ouf en débutant. Je me suis remis dedans après. Ouais, putain, mais c'est fou, Riner. C'est exactement ce que j'ai pensé. En fait, bah, tu verras, enfin, si tu vois la rediff. Hein. Mais en deuxième mi-temps, j'ai senti que t'étais pas dedans. Ouais. J'ai clairement senti que t'étais pas dedans. Et ça se voyait, tes placements, je sais pas, ils étaient bizarres et compagnie, tu vois. Par contre, malheureusement, ouais, pour la troisième, là, j'ai senti tout de suite que t'étais dedans parce que tu te plaçais bien et compagnie. Tu jouais bien sur ta vitesse. Et malheureusement, j'ai rien pu faire. En plus, avec mon moins 1, là, ça m'a fait un peu mal et j'ai pas réussi, du coup, à revenir, malheureusement. Ouais. Mais c'est fou, ouais, c'est fou comment tu vois, comment psychologiquement. Franchement, il est vraiment très intéressant ce match, quand même, au niveau de la psychologie. Parce que tu vois, voilà, j'ai senti que t'étais pas bien en deuxième et du coup, j'ai pu pousser. Et ensuite, bah, la troisième, t'as été solide, on a tout de suite vu la différence. Et je l'ai dit, hein. Dès tes premiers tours, j'ai dit, putain, ça va pas être la même chose, parce que là, je sens qu'il est revenu. Je sens qu'il est revenu psychologiquement, et ça se voit qu'il est solide, là. Et du coup, indirectement, et bah, ça m'a cassé. Ça m'a cassé psychologiquement, du coup. Parce que j'ai senti que t'étais trop solide, et malheureusement, je savais que j'étais pas bien. Parce qu'à la base, bah, déjà, en deuxième mi-temps, de marquer à 9 contre 11, c'était une dinguerie, tu vois. Alors que, tu vois, c'était pas possible normalement. Et là, par contre, je savais que du coup, que, bah, à moins d'un doublon comme sur la deuxième, je vois pas comment j'aurais pu t'avoir. Hein. Je vois pas comment j'aurais pu t'avoir parce que t'allais forcément me balader et puis c'est ce que t'as fait. T'as super bien joué ta troisième mi-temps. T'as vraiment été incroyable sur la troisième. C'était Zorksauter, ça m'a dissuasé. Et après Blood Bowl, t'enchaînes un tous moyen et t'enchaînes les petites erreurs. Ouais, c'est ça, Rina. En fait, c'est exactement ça, en fait. Il faut provoquer, en fait, les mauvais jets de l'adversaire. Hein. Un peu comme la première mi-temps. Tu vois, là, sur la première mi-temps, avec le deuxième tour que je fais complètement bizarre, je fais un tour vraiment très bizarre. Et du coup, derrière, tu exploites ça. Et sauf que, du coup, grâce à ça, tu arrives derrière à avoir un tour avec 3-4 KO. Alors, oui, bien sûr, il y a une part de réussite, mais ça a été provoqué par toi. C'est toi qui a créé cette situation, tu vois. Et normalement, ça aurait jamais dû arriver, tu vois. Normalement, jamais j'aurais pu prendre 3-4 KO. C'est impossible dans une situation, tu vois, de normale de bloc. Tu vois, j'aurais jamais pu prendre 3-4 KO, mais malheureusement, j'ai pas été fou sur ça. Hein. Après, c'est vrai que c'était. Ouais, bon, on s'en fout de la chatte, mais c'est vrai que c'était choquant au début, toutes les armures que tu m'as passées. Hein. Avant même. Ouais, déjà, même ton premier bloc. Hein, ton premier bloc, tu me sors tout de suite une armure. Ouais. Putain, c'était fou. Mais bon, on a eu chacun notre mi-temps, on va dire. On a eu chacun notre mi-temps. Mais je regarderai le replay, je pense pouvoir voir ce que j'ai fait mal pour améliorer pour le prochain. Oui, t'as fait une petite erreur en deuxième mi-temps qui te coûte du coup le. En fait, tu m'as laissé la possibilité d'aller chercher ton porteur à 3+, et forcément, vu que j'étais pas bien, vu que j'étais pas dans la game, vu que j'étais en train de perdre, j'allais forcément le tenter, quoi. J'allais forcément le tenter parce que bah, j'étais tellement désespéré qu'il fallait que je tente. En fait, au moindre play, j'allais le tenter. Hein. J'allais le tenter. Même si j'avais eu un 4+, je pense que j'aurais fait aussi. Mais t'as été bon, hein. T'as été exactement comme je pensais, mec. Et du coup, ça a donné un super match. Ouais. Super match. Bravo à toi. Bravo à toi, mec.
Oui, c'est possible, Riner, oui. Ça, c'est vrai. À mon avis, t'as dû te dire un peu, c'est bon, c'est fait, quoi. J'ai marqué en première mi-temps, derrière, il va jamais pouvoir, et c'est vrai, t'avais raison. T'avais raison parce que j'étais, je crois, à moins 2, donc t'avais entièrement raison. Normalement, en deuxième, j'aurais rien pu faire, ouais. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Normalement, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas te challenger, c'était impossible. Bah, comme en troisième mi-temps, en fait. En troisième mi-temps, tu vois, en infériorité numérique, je peux pas te challenger, c'est trop compliqué, en fait. Tant que tu places bien tes joueurs et compagnie, y a aucune raison que j'arrive à faire quelque chose. Ouais. Mais ouais, beau match, hein, beau match. Beau match. Du coup, t'as même pas eu besoin de sortir la peau, quoi, c'est assez incroyable. Bah joli mec, très joli. Et tu as été du coup exactement ce que je pensais. Bah d'ailleurs aussi sur la loss, hein. Putain la loss. Ouais ça si, hein. Bon, j'ai pas réagi à la loss parce que je m'en fous. Parce que ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que putain, j'ai pas mal tapé, j'ai pas réussi. Je crois que j'en ai couché qu'un seul, je crois. J'en ai couché qu'un seul et j'ai pas réussi à faire la différence. Par contre, j'aurais peut-être dû faire autrement. C'était pas non plus super bien joué, je pense. Ouais, c'est ça, ils ont super résisté, c'était incroyable. Ouais. Je crois que j'ai quand même sorti deux armures, je crois, sur les Saurus, mais c'était pas assez, ouais, malheureusement. J'avoue que la châtaigne, j'ai pas réussi à l'exploiter comme je voulais, ça a pas fonctionné malheureusement. C'est bien dommage. Ça a pas fonctionné. En tout cas, bravo. Bravo à toi. Bravo à toi du coup. C'était un super match, du coup. Ça a donné un truc assez ouf. Oui, le Croxy qui se balade, j'ai bien rigolé devant mon écran. C'est pas possible. Comment ça il se balade? Ah oui, tu veux dire que. Il fait pas de 1, c'est ça ou. Ah oui, y'a que la noce, oui. Putain, j'avoue. Non, mais là, je crois que j'aurais pu finir par le sortir, là. Hein, tellement je l'ai tapé. J'avoue, le pauvre. Après, bon, bah, c'est aussi. J'ai fait mes choix aussi. Hein. J'ai voulu jouer avec 4 gardes. Bah, bon, bah, là, on l'a sorti que les 4 gardes. Ça a pas fonctionné, quoi. Ça a pas fonctionné, malheureusement. C'est le jeu des 4 gardes, oui. C'est vrai qu'en plus, j'avais beaucoup réfléchi à mettre au moins comment ça s'appelle? Un orque noir, enfin un costaud avec blocage. Au moins juste un seul pour justement contrer ce genre de situation. Tu vois, pour aller chercher les 4 de force ou les 5 de force avec un blocage. Parce que du coup, bah, ça amène quand même à cette situation du coup. Mais bon, honnêtement, ça aurait pas changé grand chose. Même si je t'avais flashé, franchement, ça aurait pas changé grand chose. Enfin, on sait jamais, oui, s'il le tue, oui, forcément, oui, mais. Mais j'avais peur des gardes. Mais quand t'en sors deux pendant la moitié du match, ça aide. Ouais, exactement. Mais t'avais raison. Les gardes étaient très dangereuses et malheureusement, j'ai très mal joué mon deuxième tour. Hein. Ça me tue le match, je pense. Ça me tue le match parce que derrière, tu m'as mis tellement de KO que du coup, bah ouais, j'ai toujours eu des gardes en moins. C'est dommage. Parce que j'aurais pu être beaucoup plus impactant physiquement. J'aurais pu utiliser certaines stratégies que j'ai pas pu du coup utiliser, malheureusement. Terrible pour moi, bah tant pis, c'est le jeu. Terrible, c'est pas grave, c'est le jeu. Bah voilà les gars, c'était grave cool. On s'est bien amusé quand même. Puis vous avez vu, hein, faut rester positif les gens, c'est pas grave. Dans le match, voilà quoi. Et en plus j'ai utilisé la peau pour garder un KO si j'avais su. Si j'avais su. Alors il me semble qu'il y a aussi d'autres matchs ce soir les gars. Il y a d'autres matchs. On va regarder. Ouais merci Rita, ouais. Merci bah toi aussi pareil, hein, toi aussi. Hein. Toi aussi. Pareil, il faut que je t'encourage parce que comme ça, je pourrais dire, ah bah je me suis fait battre par celui qui a gagné le championnat, tu vois. Enfin, qui a gagné le truc. Donc tu vois, stratégiquement, c'est intéressant pour moi. Il faut du coup que je parle de ça, quoi. Enfin, que je sois plutôt dans cette idée-là, pardon.